L'un des premiers grands comiques de films muets était Charlot Chaplin. Voici un extrait de l'un de ses plus grands classiques de l'absurde. Je croyais que la comédie, c'était censé être drôle et faire rire. Oh, ouf! Tu as raison, Wawa. Certaines choses ne sont pas drôles pour tout le monde. Eh ben, moi, je sais ce que je trouve le plus drôle. Le livre des anecdotes du docteur Pluton. Hein? C'est un livre dans lequel le docteur Pluton raconte des anecdotes amusantes sur le monde. Saviez-vous qu'il était physiquement impossible pour une personne de lécher son coude? C'est amusant. Alors, pourquoi ça ne me fait pas rire? C'est vrai, Rouli. Il existe des choses amusantes qui ne sont pas forcément drôles. Les petits oursons, c'est très drôle! C'est quoi, les petits oursons? C'est le meilleur dessin animé du monde! Toc toc! Qui est là? C'est moi! Ça ne peut pas être moi! Pourquoi? Parce que moi, c'est moi! Non, toi, c'est toi! Je suis toi, mais alors qui est moi? Moi! Oh. Moi, je sais ce que je trouve drôle, mon cousin Eric! Une fois, en vacances, Eric et moi, on est allés nager dans l'eau! Mais l'eau lui est arrivée seulement aux genoux. Vous voyez, mon cousin Eric est très grand. Oh! Tu ne trouves pas que ma blague est drôle, Tug? Ce n'était pas une blague, youpi! Juste quelque chose qui s'est passé. Moi, je connais une blague. Qu'est-ce qu'on obtient quand on fait se croiser un éléphant et une pomme de terre? De la purée de pommes de terre. Vous avez compris? Non. Un éléphant, une pomme de terre, purée de pommes de terre. Est-ce que les éléphants aiment les pommes de terre, au moins? Non, maman ne veut même pas qu'il y en ait à la maison. Même pas les chips? Ça n'a rien à voir. Elle n'aime pas les chips non plus. Ce n'est pas là. Les chips, c'est pas des pommes de terre. Elle n'aime pas les pommes de terre au four. Bien sûr que c'en est. Oh, wouf, wouf. C'est une pomme de terre? Oh, wouf. C'est une pomme de terre toute sale. Une pomme de terre toute propre. Oh, wouf, wouf. Donc, propre est le contraire de sale. Et qu'est-ce que c'est le contraire de bruyant? Oh, wouf. Silencieux. C'est exact, Rouli. Maintenant, vous pourriez peut-être trouver le contraire d'autre chose. Oui. Vert plein. Vert vide. Ouvert. Bonjour. Fermé. Au revoir. Oh, ouais. Oh, en bas. Dessus, dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Départ. Arrivé, j'ai gagné, j'ai gagné. Et moi, j'ai perdu. Le jeu des contraires, c'est génial! Oui! Vous imaginez si on vivait dans un monde de contraires? Oh, ouf! Dans ce cas, la gauche serait la droite. Waouh! Et alors, est-ce que le bas serait le haut? Oh, ouf! Wouh! Mais alors, ça veut dire que... On va ouvrir la porte. Impressionnant! Regarde! Ici, c'est notre planche de plancher qui grince! Les autres planches grincent aussi? Non! Voici le robinet! C'est carrément magique! Oui! Ça prend tant de vaisseaux sur vos vies! Tu veux en voir encore plus? Oui! Emmenez-moi en visite! Oui! Elle, c'est Minette! C'est une chatte. Oh, elle est si jolie. Et elle, ce sont les poules. Ça, c'est notre seau à eau. Ça, c'est une fenêtre. Et là, c'est le toit. Ouf! Oh, faites attention là-haut, les petits loups. Et lui, c'est un oiseau. On ne sait pas pourquoi il aime rester sur le toit, mais il adore ça. C'est trop rigolo. Hein? On te présente Grenouille. Et qu'est-ce qu'elle fait comme son? Elle fait... C'est extraordinaire. Stéphane. Hein?
Regarde, regarde. Oh, sois prudent, Rouli. Ouf. Mon vélo. Tu m'as l'air d'un cycliste bien entraîné, Rouli. Ça, c'est notre ballon. Que c'est amusant. Voici la précieuse porcelaine de Wawa. Oh. Quoi d'autre? Lumière. Le linge propre. En plus, ça sent bon. Verre de terre. Batterie. Nuage. Échelle. Fenêtre. Yo-yo. Poisson. Livre. Gâteau. Délicieux. Chapeau. Lampe. Araignée. Voix. Chaise. Toboggan. Et voilà, tu as tout vu. C'était une visite guidée exceptionnelle. J'ai vraiment l'impression de connaître cet endroit. Les robinets, les chaussettes, le ballon dégonflé, tout était si fascinant. Ouah, ouah, les petits loups ont très, très bien travaillé. Oh, oh ouf. Oh, par là. On est où, petit? Nous sommes à côté du lac tropical, là où vit le monstre du lac. Oh, le monstre du lac? Excusez-moi, mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? On croyait que tu étais le monstre du lac. Je me transforme en monstre quand je manque de sommeil, alors si vous le voulez bien... Désolé, monsieur le crabe. Où est-ce qu'on va maintenant, Betty? Par là! Au revoir, monsieur le crabe! Goodbye! Ça veut dire au revoir en anglais! Qu'est-ce qui ne va pas, Betty? Pourquoi tu t'arrêtes? Nous sommes arrivés au volcan géant avec son célèbre serpent géant! Oh non! Oh non! Un serpent géant! Bonjour. Ce n'est qu'un ver de terre. Au revoir, serpent géant. Serpent géant. On y est. On a enfin trouvé la croix. Oui. Et si on montrait à Wawa toutes les choses qu'on a trouvées? Oui! Tag, tu as trouvé une balle. Elle rebondit très haut. Betty, tu as trouvé un livre qui te passionne. Oui, il est intéressant. Et Youpi nous a apporté un verre... De l'eau. Bon, eh bien, il nous a apporté un verre. Rouli a trouvé un... Roger. Hein? Oui, un rocher. Wow. Et maintenant, Nini tient dans sa main quelque chose de très intéressant. Oui. Je ne suis pas intéressante. Je vais te dire ce qui est intéressant chez toi, Coccinelle. Quoi? Tes pois! Oui, c'est vrai, Nini. Les coccinelles ont de très jolis pois sur le dos. Wouf! Tu as 6 jolis pois sur ton dos, coccinelle. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Tu as 6 pois sur ton dos et nous, on a trouvé 6 choses. Il vous reste juste le temps pour une dernière chose. Un wakalin. Oh. Wakalin.